Ah, là, l'épisode dernier, il m'a emmené voir Gadel Malich. Ce Florian Nerf, c'est un ouf. Là, je vais aller voir qui ? Djemel Beddouz, Zinedine Zidane. Florian est là. Oh, Florian ! Mais t'es des GM. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau rendez-vous avec la brigade des fast-food. Oh là là, et t'es en train... Florian, tu m'as, pris en photo sans me demander là? Non. T'étais en train de me prendre en photo? Non, je me prenais moi-même. T'es qui? Ah, ça va Isma? Il est là. Ouais. Il manque Gad Elmaleh. Ah, ils n'avaient pas remis la semaine dernière. Eh, c'était un truc de ouf. Alors attends. Il m'a dit viens, on va aller manger. J'ai rien compris. Je me suis retrouvé chez Gad Elmaleh. C'est vraiment un truc doux. Allez voir l'épisode de la semaine dernière chez la maman de Gad Elmaleh dans la cuisine avec Gad Elmaleh. On faisait partie des enfants de la famille. C'était trop bien. Franchement, j'ai trop kiffé. Donc aujourd'hui, on continue. Oh là 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 là, qui ça va être? Aujourd'hui, Isma. Ouais. Nous allons revenir. Jean Dujardin? Non, non. Nous allons revenir à la base. Il faut pas oublier d'où on vient. C'est vrai. Aujourd'hui, pas de star. Aujourd'hui, on va dans un petit en snack. Mode street. Tranquille, pépère. En mode street. Dans la street, la brigade de okay. Street, c'est ça. Omar Sy. Non, la vraie street. Il y a personne de connu. Ah. Non, non. On y va, on est à Ivry-sur-Seine, ouais. Dans le 94. Je vais pas t'emmener dans le 16e arrondissement toutes les semaines. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est une brigade dans la plus pure tradition de la brigade des fast-foods. Oh allez, ça. C'est parti. Moi, j'aime énormément. Je sais. C'est ici. Ah, Soho. Soho. Yeah, Soho. Oh là là. Ouais. Ça a l'air assez stylé. Très instagrammable à des coins. Ouais. Ah ouais, on se croirait dans une série télé. Bonjour. Bonjour. Brigade des fast-food, comment ça va? Bah super, on est en pleine action. Ah bah attends, bah ouais, on voit que ça bosse. Ah ça fait plaisir. Ah là là, toi ton prénom c'est? C'est Daniel. Ah Daniel, enchanté ouais, Daniel. C'est Daniel. On est à Sceaux, c'est stylé ici. C'est Sceaux, merci, merci. On se croirait à Los Angeles? Un petit peu, ouais. Franchement, ouais. New York. Quand t'es à l'intérieur et quand tu sors, Ivry-sur-Seine. Maurice Torres. Ouais, New York, LA, c'est quoi? Tu veux faire un truc un peu quinri? C'est exactement ça, fusion, un peu state, un peu asiatique, mes origines aussi. C'est quoi tes origines? Du Vietnam. Vietnam, ouais. Ok. Vous voulez faire mi-state? Comment tu fais pour faire mi-state, mi-asiatique? Bah, les states, c'est Smash Burger. C'est une tendance qui se lance depuis maintenant un peu plus d'un an. Et pour la partie asiatique, c'est le Bao Burger. Alors chez nous, il n'y a pas de Bao Burger, c'est des Ban Bao. Je pense que vous connaissez, vous en avez mangé pas mal. Et l'idée, c'est de revisiter le Ban Bao. C'est le Ban Bao. Donc c'est comme un pain cuit vapeur. C'est exactement ça. Mais quand ils font les Bao Burger, c'est remixé un peu façon pain toujours, burger. Toujours. Là, c'est le vrai Ban Bao. C'est toujours. Ah. En termes de cuisson, c'est une cuisson hybride, four vapeur. Pour la tenue du pain. Parce que le Ban Bao, quand on le fait, il est très moelleux, voire un peu collant. Et ça plaît pas forcément à tout le monde. Alors que là, bah, vous allez le goûter. Le pain, il tient bien en bouche. Et surtout, il colle pas aux mains. D'accord, parce que attention, Isma déteste quand ça colle aux mains. Attention. Ah. C'est vrai. Et j'espère que je vais te faire changer d'avis. Avec plaisir. Ça fait grand plaisir. En tout cas, niveau déco, c'est sympa. J'ai vu l'Instagram, en plus, il y a pas mal de filles sur l'Instagram. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Après, ça, c'est un choix. Ce qu'on voulait, c'était. C'est un peu girly, tu vois, salon de thé, machin. Bah, très girly. Ce qu'on voulait, c'était un petit peu apporter en banlieue des concepts qu'on retrouve plutôt sur Paris. Après, j'ai une vraie fierté. Ça fait 5 mois qu'on est ouvert. On avait une clientèle qu'on voulait. Une clientèle féminine, pas que, une clientèle jeune, une clientèle un peu stylée. Et là, je me rends compte qu'en 5 mois, on a réussi un petit peu notre pari. Jeune, stylée, femme. On y est. Et du coup, tu étais déjà dans la restauration avant? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je viens du secteur privé. J'ai travaillé pendant plus de 13 ans dans l'enseignement supérieur, donc rien à voir sur des fonctions de cadre. Passionné de cuisine. Moi, on m'a toujours poussé, ma femme me pousse à faire de la cuisine depuis de très nombreuses années. Et j'ai arrêté avant le Covid, en mars 2019, à travailler. Et je me suis dit, c'est bon, c'est peut-être le moment. Et j'ai rencontré une personne qui est aujourd'hui mon associé ici, qui cherchait une personne pour reprendre une activité qui était une pizzeria. J'ai mis toutes mes économies dans cette affaire. 19 mai, on doit rouvrir les terrasses, donc on se prépare, on remplit les frigos, on recrute des équipes. La veille, le 18 mai, notre pizzaiolo nous lâche. Il nous dit, ouais, je pars, demain, je suis pas là. Tout reposé sur lui. Ouais, tout reposé sur lui. En 2 heures, on se dit, 2 solutions. Soit on continue, au risque qu'on n'y arrive pas et qu'on n'assume pas parce qu'il y a une clientèle qui nous attendait, ou on arrête. Mais si on arrête, qu'est-ce qu'on fait derrière? On a pris en 2 heures la décision d'arrêter. Je vois les gars, je leur dis, on arrête l'activité, mais je vous garde. Je vous garde, on se donne max 2 mois, on rouvre un truc, mais un truc qui cartonne. J'arrache tout, coup de pioche et c'est parti quoi. Et là, je vais manger dehors, je regarde les concepts qui se font. Moi, je suis un fan de Bao Burger. De base, je vais déjà manger chez des personnes qui en font déjà sur Paris, des vraies références qui font des très très bons Bao Burger. Les Smash, ça commence à monter en puissance, mais je me dis en banlieue, il n'y en a pas. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas venir ces concepts parisiens en banlieue, avec des prix plus abordables,
en proposant un concept de fast-food, mais dans un lieu cosy où tu viens pas forcément pour manger que des burgers. Ce que je voulais, c'était que les groupes de filles puissent se dire, tiens, je vais manger un burger, parce qu'elles sont, elles ont un peu de frein à aller dans des burgers un peu plus de, tu vois, de quartier, par exemple. Au Delims. Mais après, le Delims, c'est un charme différent. Ouais. Tu vois, c'est très robuste, très. Tu vois ce que je veux dire? Ça parle fort, ça crie, ça regarde des matchs. Ça, tu vois ce que je veux dire? C'est un délire aussi. Ça là, tu viens, c'est un peu. Tu vois, je critique moi, mais c'est un peu. Tu vois, oh, il y a de l'ambiance, viens en soirée, il y a de l'ambiance, il y a du son, il y a de la bonne musique. Quand il y a des filles, il y a des mecs qui viennent exprès pour. Ça, je sais pas te dire ça. Là, bientôt, il y aura des bébés sauts. Comme quoi, faut pas lâcher l'affaire, les amis. Jamais. Parce que là, c'était galère. Juste le jour où tu voulais ouvrir, le mec te lâche. Waouh. Franchement, jamais lâcher l'affaire. Et ne compter que sur soi-même aussi. Ça, c'est le conseil le plus important, je pense. En restauration, surtout. Ouais. Moi, je pense qu'il faut que tu connais tous les secteurs de ton activité. Ouais. Comme ça, que tu sois maîtrisé. Tu dépends de personne. Ouais. C'est ça. Ouais. Parce que là, forcément, tu vois une pizzeria, tu connais rien à la pizza. Tu te reposes que sur ton pizzaïolo. Le jour où il part, c'est pareil pour les mecs qui ouvrent des restaurants et qui savent pas cuisiner. C'est leur chef. En fait, le succès du restaurant, c'est plus leur chef, tu vois. C'est exactement ça. Premier retour de la cuisine de salade de l'année, première main. Oh là là. C'est validé, en tout cas, ça a l'air super bon, franchement. Eh les gars, le pain brioché, c'est du pain boulanger et tout, ça a l'air incroyable. Et les smash, ils m'ont donné grave envie, et surtout le poulet. Ah ouais. Le poulet, il a l'air ouf. Ouais, ils le font eux-mêmes, hein. C'est vraiment fait maison, la panure. Franchement, laisse tomber, ça a l'air trop bon. Le retour de salade, d'habitude, à chaque fois, il rajoute les odeurs. Oh, là, il a pas dit les odeurs. Alors, les odeurs, ça là. Pas, je sors de Covid, je sors moi. Il a pas retrouvé l'odeur. Mais ça a l'air ouf, franchement, ça a l'air ouf. Hey Isma, tu connais White Lion Power? White Lion Power? C'est une nouvelle boisson, c'est bon, c'est doux, c'est sucré, mais pas trop. Mais bien sûr, et regarde. La couleur. C'est bleu. Stop. Oh! Waouh! White Lion Power! Oh là 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 là! Et ça a l'air magnifique! On a eu de très bonnes nouvelles de ça là. Oh là là! Ah bah ouais, tu vas tout nous expliquer. Alors. Ah oui! Ça c'est le spécial salade. Hey, mais ça c'est un hot dog sans saucisse, c'est pour toi ça! Pas vous mentir, celui-là, ça là il a passé une commande spéciale en cuisine. Qu'est-ce qu'il veut encore ça là? Il a demandé quoi? Il a dit ce morceau de poulet, je le veux pour moi. Ah là là! Il a dit le bas au poulet, il est pour moi. Ah là là, Daniel, alors vas-y! Installe-toi parce que là t'as des choses à nous expliquer, Daniel. Vas-y, c'est parti. Donc là c'est le spécial salade. Donc là c'est le Captain Chicken, pain bao burger. On est sur une base de coleslaw maison, donc c'est chou, carotte, sauce fromagère, yaourt grec pour ce qui nous concerne. On est sur un morceau de poulet qui est juste énorme. Donc nous, tous nos poulets, on les prépare façon Nashville. C'est quoi Nashville? C'est une marinade dans du lait fermenté 24 heures. Je donne ma recette. Le lait fermenté éclate la protéine de poulet. Notez bien. Faites-le à la maison, c'est juste une dinguerie. Et après, c'est une panure maison dans de l'épice maison. C'est du gingembre, c'est du paprika, c'est de l'ail, c'est de l'oignon. Tout ça dans la marinade et ça donne ça. Le truc juste énervé, on est sur 150-180 grammes de poulet. Ensuite, les frites. Enfin, ça, c'est pas des frites maison, ça. Non, c'est le seul produit de surgelé qu'on a. Ouais, c'est la McCain, la Crinkles. Elle tient très bien la livraison. Prenez, lui. C'est pour ça que je l'ai embauché. Ouais. Par contre, sauce cheddar maison, ouais. On la prépare nous-mêmes. Et bacon de veau grillé, ciboulette, pareil, c'est juste une dinguerie. D'où tu les connais les recettes? Parce que t'es pas de la cuisine. C'est ma mère ça. C'est vrai? Ah ouais. Ici on est sur, alors on est plus aux États-Unis. Là on est sur le Nash is back, pareil, c'est un smash burger au poulet cette fois-ci. Base coleslaw, toujours sur le poulet, crispy. On est sur une sauce mayonnaise et une sauce barbecue, un peu épicée. Là on est sur la tempura, gros calibre. Pareil, il faut la manger chaude parce qu'elle est très 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 juteuse. Là on est sur un spécial, c'est il faut la manger quoi t'as dit? Faut la manger chaude. Ah ouais. Bah vas-y, ouais, on est obligé. Désolé, on interrompt mais. Ah ouais. Oh, là là. Ouais ouais. Et là elle est juteuse. Ah, putain, j'ai pas droit aux fritures. Et pour les amateurs de ce que tu viens de manger, t'as celui-là, il est juste incroyable. C'est le Kame House chez nous. Kame House, ça vous parle ou pas? Dragon Ball Z. Exactement, mais c'est quoi dans DBZ? C'est quoi?
C'est la maison de tortue géniale. Camers, là on est sur un steak de crevettes maison, donc c'est de la crevette émincée au couteau, marinée dans de la crème de gingembre, sauce soja teriyaki. Après on le remet en panure maison, c'est servi avec une sauce chili mayonnaise, c'est de l'oignon rouge, c'est de la salade mâche, c'est un pain bao burger qui est super léger parce que cuisson vapeur. Et ça, ça se mange chaud aussi? Bah toujours. Ça c'est quoi ça? Ça c'est dynatic, morceau de poulet super tendre. La dynamite ça se mange chaud aussi, on est désolé. Vas-y, hein, bah oui, voilà. Ouais. Ça là il mange pas. Non, regarde, regarde. Oh, il faut le manger chaud, celui-là. Ah, celui-là, présente-le-nous parce qu'il a l'air dingue. Là, c'est le spécial Isma. Là, on est sur un hot dog revisité avec de la brioche au beurre maison. D'ailleurs, big up à notre boulanger qui nous livre notre pain tous les matins. De la viande de bœuf, on n'est pas sur une saucisse de bœuf grillée. On est sur un cœur de rhum steak émincé au couteau. Imaginez-vous, on reçoit des centaines de kilos par semaine. On les émince à la main et au couteau. Mariné dans une sauce teriyaki. Ensuite, c'est passé à la plaque, c'est caramélisé avec des oignons confits. Et là, c'est remis dans le sandwich avec du cheddar maturé. Et ça, du coup, c'est un smash burger plus classique, c'est ça? Là, on est sur le spécial américain. Donc, c'est le plus gros burger qu'on a. Généralement, je le propose pour les grosses fins. Ah, oh, bah, il se retrouve dans mes mains, comme par hasard. Double viande, double fromage maturé, bacon de veau grillé, oignon confit, salade, tomates, pickles. Double viande, mais comme c'est smashé, ça va. Ouais, ça va. Ah ouais, voilà, ça va. Ça se mange chaud aussi, ça. Hein, ça se mange super chaud. Mais tout se mange chaud. Bah, vas-y. Allez, vas-y, Isma, mange ton truc. On va y aller ensemble. Commence. Eh, franchement, celui-là, il a l'air terrible. On le couperait pas en deux, non, par hasard, non? Tu veux? C'est raisonnable ou pas? Franchement, il me fait trop envie. En tout petit bout pour moi, hein, t'inquiète. Regardez, non mais regarde encore. Le morceau de viande, ça a l'air terrible. Et le pain brioché, franchement, je suis pas du genre à piquer dans ton assiette, Isma. Mais le jeu en vaut la chandelle, je crois. On y va. Eh, la viande est exceptionnelle. L'assaisonnement, avec le moelleux du pain. Laissons parler l'enfant. Ah, c'est trop bon. En fait, vu que le pain, il est brioché, il cache pas le goût de la viande. Et la viande, elle arrive vraiment à s'exprimer comme elle devrait. Ouais. Tu vois comme tu veux dire? C'est vraiment impressionnant. Elle s'exprime, mais alors, elle parle bien. Ah, je pense que là, il faudrait tendre le monde aussi, monsieur. Bon, celui-ci aussi, hein. On va voir si la viande s'exprime aussi dans celui-là. En tout cas, elle dépasse bien. Franchement, c'est un bon smash. Et c'est vrai, il a raison quand il parlait des prix tout à l'heure. Sur Paris, les smash, ils nous allument. Celui-là, c'est le plus gros, c'est le plus cher. 7 euros. 10 balles, il y en a à 7-8 euros. Et c'est vrai qu'à Paris, alors que vous savez qu'aux États-Unis, le smash burger, c'est entre guillemets le burger du pauvre. Ouais. C'est-à-dire que c'est le burger qui coûte pas cher. Et sous prétexte que c'est nouveau en France, depuis 2-3 ans, bah, ils nous les font plus cher que des burgers normaux. Avant, l'année dernière, en 2021, j'aurais pris un truc au bœuf, un truc. Et là, le truc à la crevette, il m'attire de ouf. Crevette, panée, hein. Dans la friture. C'est pas juste des crevettes. Il est incroyable. Ah ouais? Montre un peu l'intérieur. C'est frais, t'es la tomate à ça, tu la sens bien. Le steak de crevettes, il est léger. C'est pas un truc qui est lourd. Je trouve c'est archi bon. T'as la déco qui est un peu girly, mais même leur burger. Ça, c'est un truc léger, un peu raffiné, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ah, regarde-moi ça. Bao chicken. Plus simple, mais franchement, t'as vu le morceau de poulet, il a l'air énorme. Ouais, franchement, il est mastoc, hein. C'est une belle bête. Hein. Et tu sens bien les épices du poulet? Regarde-moi ça, le morceau de pain. Et souvent, t'as vu, les baos, c'est petit. Alors, le pain en soi, t'as vu, les petits. Mais par contre, ça déborde dans tous les sens. Ça déborde, et même l'épaisseur du poulet. Incroyable. Oh là là. Allez, vas-y. Moi, je vais goûter le roll dog saucisse. Après, je veux pas avoir d'accusation à ton encontre, ça là. Ouais. Mais comme il a plus trop l'odorat, est-ce qu'il a encore le goût? tu vois ce que je veux dire? Mais on a recommandé le premier qu'on a mangé là. Ouais, parce qu'en fait, quand t'as filmé, on dirait que t'avais mal filmé. Ouais. Alors, on va prendre un deuxième comme ça. On va faire une deuxième prise pour être sûr. Ouais. Voilà, on se dévoue. Ouais. Le pain qui est à la fois brioché et toasté, c'est trop bon, les gars. Après, je sais pas si c'est logique de faire un poulet avec cette épaisseur-là, sachant que tu reçois une clientèle majoritairement girly. Ouais, c'est vrai. Tu vois, pâté, il faut que ça mange à la tienne. Ah oui, mais bon. Faut arrêter les clichés, genre les filles, elles mangent pas un truc épais comme ça. Florian, il nous a ramené des brigadières, les gars, il y en a, ils tapaient. Hein. Bah ouais. Mais c'est vrai qu'il est costaud, franchement, il est costaud. Hein. Je fais pas ma fine bouche, mais pour le terminer, c'est balèze. Là, t'as changé, hein. 2022, t'as changé ça, là. Ah voilà. Il nous fallait ça parce que tu vois, tout à l'heure, on n'est pas sûr d'avoir bien filmé. Ouais. Donc il fallait qu'on le refasse, tu vois. C'est... La scène, ouais. Franchement, ça, c'est pas qu'on aime, hein, mais. Mais dans la scène, c'est moi qui mangeais. C'est toi qui mangeais, t'es sûr? Ah ouais? Non, je crois que tu le coupais en deux déjà. Ouais. Ouais. Je crois qu'on va refaire exactement la même scène. C'est pour être sûr. Hein. Pour les besoins du tournage. Et puis si ça, c'est ça là aussi, il filme pas bien, on est obligé de refaire. Si besoin, prépare-en un troisième. Oh! Attends. T'as filmé dès qu'il est arrivé avec le sandwich dans les mains? Non, je crois que t'as pas filmé. Vaut mieux en refaire un troisième. Elle enlève ça, franchement, les gars. Eh, trêve de plaisanterie. Ça, c'est génial. En plus, là, tu m'as fait un meilleur morceau, j'ai plus de viande. C'est super. C'est archi bon. Et on y retourne. On vous le remontre une dernière fois. Mais ça, franchement. Si vous venez ici, il faut prendre ça. Comment ça s'appelle ça, du coup, il demande quoi? Le slice me nice. Le slice me nice. C'est ça. Le slice me nice. La viande, elle est forte en goût, hein. Ouais. La viande, le pain, moelleux, la sauce.
Tu crois que c'est bon là, tu as la scène, Salah? Je suis pas sûr. T'es sûr? Je vais, on va regarder. Bon, et bah, franchement, c'est super. On vous a pas montré les desserts, juste quelques images des desserts quand même, parce qu'il y avait un petit tiramisu à la poire. Waouh, il a pas fait long feu, et ça là, il a même pris un pour la maison. Ouais. Franchement, plus les bonbons dans leur petit corner, regarde le souci. C'est pour les enfants, ouais. Pour les gamins à la maison. Il a fait croire qu'il avait des enfants, exprès pour choper des bonbons, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce saut? Ah, franchement, c'était génial. C'était génial. Un vrai coup de cœur pour le hot dog revisité à la façon Isma. Forcément, pour Isma qui n'aime pas les saucisses, c'est un hot dog sans saucisses. Non, franchement, l'adresse a été cool. Un petit message. Salut les girlies, n'hésitez pas à venir goûter cette adresse. Ah, tu fais genre ton influenceuse Instagram. Voilà. Salut les loulous. On a trouvé une super adresse pour vous à Ivry-sur-Seine. Et après, je vais vous montrer le nouveau démaquillant. C'est génial, quoi. En tout cas, on vous met l'adresse. Franchement, il déchire. Super équipe au top. Merci Isma. Merci à toi, Florian. Merci à Salah derrière la caméra. Merci à vous tous. N'oubliez pas, libérez Ali. Libérez Ali. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Nair. Twitter, Snapchat, Instagram. C'est Florian Nair. Alors, ce démaquillant, vas-y, montre-nous un peu. En fait, je t'explique. C'est fait avec de l'aloe vera. Ok. Alors, tu dis quoi, Florian ?